celle-là, tu te souviens, papa? On jouait la pièce de Monsieur Bouton. Et là, c'était Fabrizia. Elle n'avait pas eu besoin de déguisement, elle. C'était une vraie sorcière. Qu'est-ce qu'elle faisait peur? Elle avait des ongles longs comme ça. N'importe quoi. En plus, elle s'appelait Fabiola. Je le sais mieux que vous, puisque c'est moi qu'elle voulait transformer. Ah, tu vois. C'est bien ce qu'on disait. C'était une méchante sorcière. Sa péripopette, laissez-la donc parler. Puisqu'elle vous dit qu'elle s'en souvient très bien. Vas-y, Pirouette, raconte-nous. Eh bien, voilà. Tout avait commencé un matin. On était en train de préparer la pièce de théâtre. De toi à moi, Agrippine, jamais je n'ai vu d'aussi splendide coucher de soleil. Cela me donne envie de chanter, de danser, de savourer ce moment. C'est de danser en savourant. Ah oui. Cela me donne envie de chanter, de danser en savourant. Et de te taire, tu y as pensé? Eh oh! Faut bien que je répète mon texte. Je vous rappelle que c'est moi qui ai le premier rôle. Ça, on le sait. Depuis que Monsieur Bouton a réparti les rôles, on n'entend que toi à la maison. Ouais, et nous on se retrouve chef maquilleur et chef coiffeur. Vraiment génial, ouais. Allons, vous savez bien que Monsieur Bouton veut tous vous initier au métier du théâtre. Regardez Agaric, il est ravi d'être photographe officiel. Oh oui, c'est chouette. Jolie petite souris. Souris. Moi aussi, j'adore qu'on me déguise. Allez, Pirouette, Monsieur Bouton va nous attendre. J'ai tous ses costumes à lui remettre. Et puis tu as ta robe à essayer aussi. Oui, ma robe de princesse. Oh, dépêche-toi, Zinia, j'ai tellement hâte de la voir. Youpi. Oh, allez, la barbe. On y va, on y va. Faites la terre. Oh père, c'est impossible. Comment pourrais-je vivre si loin de vous et de mon palais? Mes sujets ont plus que jamais. Oh. Regarde, Zinia. La princesse aux mille visages, enfin oserait-elle. Une pièce magique est portée par de petits acteurs de talent. Tu es une véritable vedette, ma chérie. Bonjour, Pirouette. Nous avons bien hâte de te voir jouer. Oh là là, j'espère que j'oublierai pas mon texte. Ne t'inquiète pas pour ça. Pour l'instant, allez, joue, c'est à ton costume que nous devons penser. Alexandre, c'est nous. Quel honneur! Ma muse et ma tendre amie ensemble dans mon humble boutique. Pirouette, je sais que tu es très occupée en ce moment, mais aurais-tu encore un peu de force pour essayer ça? Oh oui! J'y vais tout de suite. Alors voilà. Merci, Zinia. C'est exactement ce que j'avais imaginé. Tu penses avoir assez de tissu? Oh, ça, j'en doute. Il ne reste que 2 mètres de... Elle est peut-être un peu longue, non? Oh non, elle est parfaite. De toute ma carrière de costumier, je n'ai jamais vu une aussi belle princesse. Je ne me suis pas trompée, tu sais, lorsque je t'ai choisie. Oh, merci, Monsieur Bouton. Je l'adore, elle est super belle. Fais attention de ne pas l'abîmer, ma chérie. Bon, alors si tu veux, j'ai encore des morceaux de coton piqué. Tu pourrais, bonjour, l'utiliser pour le costume de Papilio. Oh non, pour Papilio, j'ai récupéré les doublures de taffetas. Ce sera parfait, tu sais. Je vais quand même t'en chercher un morceau au cas où. Et voilà. Oh, merci Alexandre, tu es un ange. J'ignore qui était ce petit voleur, mais une chose est sûre, nous pouvons dire adieu à ton costume. Calme-toi, ma chérie. Tu n'y es pour rien. Oh, si je le tenais.
Alexandre était si déçu. Il a passé tellement de temps sur ce costume. Et tu dis qu'il a fui vers la prairie? De quel côté, exactement? Il a disparu, papa. Tu comprends? Comme un magicien. Un magicien aux Erelles. Tu te crois encore au théâtre? Je l'ai vu, je te dis. Saprelotte mille carottes, ton frère a raison, Pirouette. Il y a sûrement une explication rationnelle à tout ça. Allez, je vais préparer un bon jus de mûre pour nous remettre les idées en place. On bouge plus. Gruyère au camembert. Camembert. C'est dans la boîte. Moi, je dis, on a encore une chance de retrouver ce satané voleur. Ah oui? Vous vous souvenez quand la coupe de Zinia a disparu? Les taupes nous avaient aidés. Ah oui, les taupes espionnes. C'est elle qui avait repéré le voleur. Bien sûr. Allez, sous. Romarin, tu es génial. Ah, eh bien je vois que cette histoire de voleur est déjà oubliée. Je récapitule, les enfants. Le voleur a disparu à l'angle du chemin des losanges et de la route des Ulysses. C'était avant midi. Et il était recouvert d'une cape grise. Oui, oui, c'est ça, Grisella. Et... oh, mais arrête de pousser. Il était tout petit. Oh, aïe, mes pieds, Pirouette, mais arrête. Mais t'as pas dit que c'est une robe qu'il a volée? C'est un indice, ça, parce que ça veut dire que c'est certainement une voleuse. Oh là là, je les vois bien, moi. Pas de soucis, les enfants. Le plan X à 3 est déjà en place. Le voleur sera bientôt identifié. Nouvelle recherche, tous à vos postes. Taupe, taupe grise, tu ne vois rien, tu entends tout. Taupe, taupe, à tes écouteurs, les lapins cherchent un voleur. Code X à 3, nous on l'aura, code AIG, on va le trouver. Témoin repéré, premier indice trouvé. Hé, poussez-vous, les filles d'abord. Non, c'est les petits en premier. Passez Flore, vous m'entendez? Les recherches ont abouti. Yahoo! Alors, c'est qui? C'est qui? Alors, le voleur est... Désolée, les enfants. Recherche, non, rien donné. On peut plus rien pour vous. Plus rien. Grisella, Grisella, tu m'entends? On ne les voit plus non plus. Ça alors, on aurait dit qu'il avait peur. C'est pas possible. On va trouver une autre solution. On pourrait interroger les villageois ou alors faire des rondes dans le village. Ah oui, Pantin et moi, on adore faire la ronde. Moi, je dis, vaut mieux laisser tomber. Cette histoire est bizarre. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que ça peut bien cacher, tout ça? T'as raison, il y a quelque chose de pas net là-dessous. Allez-y, boum, on rentre. Oh, mais vous comprenez rien, Maria. Si j'ai pas mon costume, c'est plus pareil. Vous connaissez, vous, des princesses sans robe de princesse? Non, mais des lapines qui commencent à nous chauffer les oreilles, ça oui. Puisque c'est comme ça, je jouerai pas et il y aura pas de pièces. Génial, ça nous évitera de faire les coiffeurs et maquilleurs de service. Finalement, il est plutôt sympa, ce voleur. Je sais que tu es déçu. Cette robe n'a rien à voir avec l'autre. Mais comme dit la princesse que tu joues si bien, point d'artifice pour se faire aimer. Oui, oui, bien sûr. Allez, maintenant, va te reposer. La pièce a lieu dans 2 jours, tu dois être en forme. Et n'oublie pas, je compte sur toi, tu es ma princesse. Pas important, pas important. Hé, mais c'est lui? C'est mon voleur? Cette fois, tu ne m'échapperas pas, Minus. Oh, tu parles d'un magicien.
tu es très perspicace, fillette. Cette lapine est parfaite, mon beau Philippin. Ton plan a marché à merveille. Je savais qu'elle s'accrocherait à sa robe comme une araignée à sa toile. Ma transformation peut enfin commencer. Non! Je peux voir maintenant? Juste un petit détail à rajouter. Voilà, crac-boum, c'est fini. C'est comme ça que sera la reine des neiges. Pas mal, non? Finalement, on commence à devenir de vrais pros. On dirait plutôt la sorcière des neiges. Disons, vous êtes certain d'avoir suivi les indications de Monsieur Bouton? Ouais, elle dit pas grand-chose, sa pièce. Sinon que la reine des neiges est gentille et généreuse. Ouais, bon. Et là, vous trouvez vraiment que j'ai l'air gentille? Bah, Tézinha, t'es toujours gentille. Heureusement, j'ai encore le temps de vous donner quelques petites leçons. Bon, 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 un peu de patience. Nous nous mettrons à table quand Pirouette sera rentrée. Madame doit sûrement jouer les stars dans le village. Allez, donc, allez la chercher. Et ne traînez pas en route, surtout. D'accord. La sorcière. En train de signer des autographes. Oh, j'ai faim, moi. Oh là là. Mais elle est où, Pirouette? Oh, sa périlipriote. Elle a laissé le panier d'Isigna. Regarde, elle va se faire beaucoup gronder. Ça alors, c'est l'endroit exact où le voleur a disparu. Pirouette, réponds, c'est pas drôle. Pirouette. Oh là là, ce coin est maléfique. Maudit. Moi, je dis, il faut filer d'ici. Oh, oh, c'est moi, Grisella. Mes collègues seraient très en colère s'ils savaient que je suis là. Alors surtout, pas un mot à personne. Top secret, on a toujours été... Top secret, on doit rester. Tout à l'heure. Nous avons pris peur en découvrant l'identité de votre voleur. Mais je ne pouvais pas vous laisser tomber comme ça. Mais Grisella, Pirouette aussi a disparu. Elle s'est envolée. Quoi? Pirouette? Alors ça veut dire que nous n'avons pas une seconde à perdre. De toute façon, mon papa et ma tante Zinia vont venir me chercher. Il est très costaud, mon papa. Il est trois fois plus grand que vous. Arrête de hurler, tu vas effrayer Sissi. Un peu de bave de tenace et de poils de crapaud. Je suis tout simplement génial, Philippe. Génial, mais t'es dans l'air, Fabiola. Tu as oublié le crachat d'escargot. Oh oui, bien sûr. Comment ferais-je sans toi, mon bon Philippe? Cette fois, la magie me tempérait. Laissez-moi partir. Je veux voir mes frères, je veux rentrer chez moi. Ça fait des années que je planche sur cette formule pour réaliser mon rêve de jeunesse. Devenir une jolie lapine. Tu comprends? Être aimable. Être tout simplement une lapine comme les autres. Mais... et moi? Pourquoi je suis là? On se moque de moi depuis que je suis toute petite. La sorcière, on m'appelait. Alors, sorcière, je suis devenue. Ne t'inquiète pas. Elle va seulement t'emprunter ta beauté, ta voix et ta gentillesse. Toi, tu hériteras de son physique. Mais tu verras, c'est pas mal non plus de faire peur. Ouh. Oui, je vais me réveiller dans mon lit à la maison avec mes poupées. Quelle tête de linotte, cette Fabiola. Elle a oublié les écorces d'érable. Sors-moi de là, ouvre-moi. Si tu veux, on peut fuir tous les deux. Laissez ma Fabiola. Jamais.
J'étais seule et sans famille quand elle m'a recueillie. Je ne la laisserai tomber pour rien au monde. Abracadabra, poil de chameau et pattes de chat. Qu'à la minute je disparaisse et qu'en belle et adorable lapine, je réapparaisse. Regarde, Philippin, ça marche, ça marche. Pirouette, ma chérie, c'est papa. Continuez, creusez. Que s'accomplisse la providence que de cette apparence je me détache à tout jamais. Attendez, il se passe quelque chose là-dessous. Oh, arrête un peu, Michouflet. Tu vas bien? J'ai bien l'impression que mon plan a échoué, mon bon Philippe. Vous m'avez sauvé. Sorcière? Elle a découvert magique. Si sorcière je suis, alors je suis la pire de toute l'histoire de la sorcellerie. Même pour réaliser mon rêve d'enfant, je n'ai pas su utiliser mes pouvoirs magiques. Vous connaissez, vous, des sorcières qui ne savent pas voler sur un balai? Et j'arrive même pas à tenir sur un pédale express. J'ai peur des araignées. Et le comble, c'est que je ne m'appelle même pas Fabiola, mais Douce. Ça, c'est sûr. Vous n'avez pas plus de pouvoir magique qu'un crapaud n'a de poils. Peut-être qu'à force d'entendre les autres se moquer de vous, votre cœur est devenu tout dur comme de la pierre. Mais au fond, il n'est pas comme ça. Une vraie sorcière ne m'aurait pas sauvée. Ça, c'est vrai. Dans les livres que Gina nous lit, les sorcières, elles font jamais des trucs gentils. Tu es gentille, mais mon problème reste entier, tu sais. Je ferai toujours peur. Non! Ici, il y a plein de magiciens capables de faire des merveilles. Alors ils vont s'occuper de vous. À lèvres, mais il faut pas que ça déborde. Pirouette, un élastique, allez, allez. Juste une goutte, elle a dit Zinia. C'est de l'huile d'estragon, ça fait partir les pabous boutons. Tu as raison, Alexandre, le blanc sera parfait. Qu'est-ce que tu en penses? Et si je cintrais le jupon au niveau de la taille? Ils en mettent du temps pour essayer de nouveaux habits. Vous avez été d'une aide précieuse, Grisella. Comment pourrais-je vous remercier? Ne dévoilez pas le secret de la toupinière. Top secret, on a toujours été top secret. On doit toujours rester. Pas de problème, Grisella, vous pouvez compter sur moi. Super. Attention, attention. Toutes les mesdames et tous les messieurs, la voilà, la voilà. C'est Fabiola, toute neuve. Oh. Sa perlipopette, Fabiola, pardon, Douce, vous êtes tout simplement magnifique. Une nouvelle vie nous attend, ma Fabiola. Elle a raison, la princesse que je joue. Pour se faire aimer, point d'artifice. Mais parfois, un petit coup de main, ça peut servir. Fini les crapauds et autres baves de limaces. Place au potager et aux bons petits plats. Et même aux amis. Je regrette tellement ce que j'ai fait, Pirouette. J'ai si honte. En plus, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Ta robe, eh bien, elle s'est beaucoup abîmée pendant l'éboulement. Ce n'est pas grave. Nous n'en avons plus besoin. Douce, votre personnage de sorcière m'a donné une nouvelle idée d'intrigue. Et je vais avoir besoin de deux actrices principales cette fois. Alors, voilà.
Attendez, j'espère qu'il y aura un rôle pour nous cette fois. Moi, je sais super bien jouer les pirates. C'est pas mal ça, des pirates aux Erel. Oh oui, Monsieur Bouton, ce serait bien qu'on les voit un peu. Par exemple, moi, je serais reine et eux, ce seraient Valem, mes pages, quoi. Petite souris, Kiri. Kiri. Je me souviendrai toujours de cette pièce. Ah oui, on avait bien rigolé. J'avais perdu mon pantalon au moment de la bataille. Qu'est-ce qu'elle avait bien joué, Douce. C'est vrai qu'elle avait bien joué. Mais moi, je me souviendrai surtout de sa beauté. Oh oui, ce soir-là, c'était vraiment la plus belle, la plus magnifique de toutes les lapines.